Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons l'Égypte. Quelques unités arrivent en direction d'Athènes. Écoutez les gars, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Je vous attends de pied ferme. Hop, j'attends de pied très très ferme hein, même. Hop, allez, on va faire un petit peu de pillage ici. Lui, il est en haute mer, il a rien compris encore. Purée. N'importe quoi. On va voir, est-ce qu'on peut. Ouais, c'est une belle flotte en vrai. Hein. Ouais, c'est une très belle flotte. Hein. Nausicaa. Faire ça. Elle n'est pas encore assez au niveau pour ce que je veux faire, c'est-à-dire beau parleur. Tiens non, je l'avais pas du tout vu venir. Hein. Par contre, c'est bizarre, c'est la tête d'Octave ça. C'est la tête et c'est la couleur d'Octave. Bon, c'est très bien en tout cas, il est en guerre contre plein de monde du coup. Oh, il est même en guerre contre Pompée. Oh! Ah non, c'est moi, merde. Ah oui, lui c'est. Lui là. Oh putain, je regardais du mauvais côté. Là là. C'est une honte. Du coup, je vais peut-être rapatrier ma flotte. Enfin, une de mes deux flottes. Parce que ça pourrait mal se passer. Et, en parlant de rapatrier. Ah, j'ai plus de raison de mal m'entendre ici. Qu'est-ce que je fais? Mon brave du roi, tu vas aller là. Non, toi c'est bien. Toi, tu vas aller à Carthago. Toi, tu vas aller là-bas. Et toi, tu vas aller, je sais pas, là je le sens pas trop mal. Et pareil, Carthago. Que j'ai bien fait de récupérer ces unités-là. Et d'ailleurs, je vais recruter le reste. Le minimum, comme on dit, syndical. 3 bretteurs à ligne de thorax. Voilà. Hein? Ah, ça a pas recruté parce que. Oups! Alors ça n'a pas recruté tout simplement parce que du coup j'ai détruit et tiens c'était le même tour. D'accord, bah à savoir. Vu que j'ai détruit la caserne de l'Ocideros le même tour que j'ai recruté mes unités mais que j'avais pas de quoi recruter les mêmes unités. Je sais pas si vous avez réussi à suivre, ça a été un peu compliqué même dans ma tête. Bah, du coup je n'ai pas pu les recruter, Sniff. Bon, je vous attends hein, les Romains de Pompée. Hein. Mais en tout cas, je m'entends pas très bien avec les différentes Roms. Donc déjà Pompée et Lépide, je sais pas si Octave est encore en vie, tout ce qu'on sait c'est que la Rome d'Antoine est capoute. J'adore ce terme. Oh, j'adore ce terme capoute. J'espère que vous l'aimez aussi, moi j'avais ça me prend. Ça me fait trop rire. Oh, plus d'autres autorités, bien, 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 bien. La hippie, je sais pas trop ce qu'il y a à piller en soi. Je produis pas d'argent. 50, pardon, je produis 190 plus 4. Ah, quand même. Je produis rien, quoi. Hop, vérifions juste qu'il n'y ait pas d'unité qui passe. On va bien se mettre là. Comme ça, on voit un peu tout ce qui passe. On va faire le dernier stadia ici. Là, on va faire un marché aux céréales pour l'instant. Ici, on est bien. Hein. Bah, pas ouf niveau moral, il va falloir faire attention quand même. Ok. Voilà, comme prévu, là, on rapatrie nos unités. Voilà. Lui, mon champion, là, il va arriver, je pense, dans 5 tours. Ah!
On a vu une flotte hein, vers Gortina. Je sais pas d'où est-ce qu'elle est arrivée. Mais elle était rapide. Hein. Elle était très rapide. Et donc d'ailleurs, je vais peut-être devoir enlever une autre. Allez, syncrétisme. Oui, syncrétisme. De toute façon. Ouf. Ouais, il n'y a que dalle. C'est bon. Je risque pas grand-chose. Allez, mascotte. Ah, regardez! Ah, ah! Ah, vous pillez là, les gars. Moi, j'ai mon avis qui vous pille chez vous. Hein. Ouais, génial. Ça, ce sont de vrais alliés. Putain, on aimerait tous avoir un allié comme ça, quoi. Alors, retournons à Akia. Un petit ventarium thorax. Ah, j'ai vu que j'ai de l'armée. Ah, ouais, mais super. Ok, lancier à chameau, ouais. Oh, c'est bien, ça fait fuir les chevaux, mais entre ça et des éléphants, les gars, mon choix il est vite fait. Hein. Ouais, je l'avais oublié lui aussi. Ouais, on va voir. Pourquoi il m'aime pas trop? Qu'on s'entend bien avec la rampe de Pompée, lui? C'est une blague? Ah purée. Ah là, par contre lui il est pas en guerre. Il doit hésiter à m'attaquer là. Le souci étant, s'il m'attaque, bah, je vais aussi devoir défendre les petits les petites civilisations à côté, toutes ces tribus du désert. Et ça en vrai c'est pas ouf. Hein. Ça va que j'ai des bonnes villes qui sont bien défensives. Par exemple, je pense que si je laisse pas d'unité à Jérusalem, ça devrait pas poser de soucis. Pareil pour Petra. Agriculture, ouais. Hop. Voilà, on finit là. Et tous ces javelots, ils sont pas. De toute façon, ils ne servent à rien. Donc, ouais. Ça va faire des archers nubiens. Les marées azur. Ça me fera toujours rire, ça, putain. Je suis un gamin. Ouais, je vois. Ah, zut. Il y en manque un. C'est pas grave, je vais leur faire attaquer. La Légio 6, Apollinaris. C'est bizarre, Apolli, Apollo. C'est pas un dieu grec, Apollo? Je sais pas, je dis ça. Je suis pas le plus fin connaisseur, personnellement. La route est bloquée. Il y a du monde devant moi sur. Il y a quelqu'un qui est sur la même route que moi et j'ai peur alors qu'il n'y a personne aux alentours. Hein. Mais j'ai peur quand même. Oui, alors j'ai pas pu passer. Il y a un crapaud qui était sur mon chemin. Excusez-moi, c'est pour ça que je suis en retard de une demi-heure. Ça sent le vécu. Feinte, très bien, je m'en fiche. Faction rencontrée, confédération celte. Oh. Hein, rencontrée. Ils sont où? Ah ouais, ah non. J'ai cru qu'ils étaient jusque là, j'étais pas bien. Hein. Je me suis dit, quand même, les gars, vous êtes loin là. Bah, salut à toi. H, oui, voilà, c'est bien ça. Exactement, construire des navires. Mais on n'a pas de bois, bah faites-le en pierre, c'est pareil. Putain, les gars, vous êtes
perdu, c'est fou. Ça, tranquille. Non, tu me dis si je t'embête. Tu me dis si vraiment Athéna, enfin Athènes, tu te nais, hein. T'es combien d'unités? 14. 14 plus 17, 31. 31 plus 20, 51. 51 plus 14, 65 unités, les gars. 65, ils osent pas attaquer Athènes. En même temps, j'en ai quoi? 12? 12 plus 15, 33. Quelques balistes. Ah, c'est du 1 contre 2, hein. Ouais. Ouais, c'est pas si simple, hein. Même si bon, 1 contre 3, normalement, t'es quand même censé le. T'es quand même censé gagner, quoi. Ok. J'ai fait ma petite promotion du tour. La route est bloquée. Non, c'est pas ça. Il s'est déplacé, il a même pas fait le tour de Thessaloniki, quoi. Oh la vache. Allez, attaque-moi. Allez, attaque. Attaque-moi, s'il te plaît. Allez. Attaque-moi. Attaque Athéna. Attaque Athéna. Tu peux le faire. Allez, attaque. Non. Oh. Comment ça se fait? T'as joué tes testicules à la foire ou quoi? Comment ça se passe? Tu as perdu à la foire sur un pari? T'as joué au poker? T'es pas bon? T'as perdu? Encore un qui court vite. Hein. Oh là là. Allez, un petit développement militaire. Un surplus de population, tiens. Un abatté. Très bien. Ouais. Une faction émerge. Gaulle. Ah, mais il n'y avait pas la Confédération Celte pas longtemps? Ah bah, il y a moins de monde, c'est bizarre. Ils veulent pas attaquer Athènes, je comprends pas. Mais venez. Mais c'est pas vrai, venez. Je veux juste savoir. Je m'entends comment avec eux? Très bien. C'est militaire. Oui. Vous l'avez pas vouloir. J'ai suffisamment écouté vos beaux discours, mais je n'accepte Ça va pas passer ça. que vos dieux ne vous ont pas béni d'un divin. Mais si, mon béni, t'inquiète pas. Je suis touché par vos. Voilà, tu vas voir. Ok. Petite promotion. Petite, hein, tout très légère promotion. Une promotionnette, c'est une petite promotion. Promotionnette et c'est fini. Ah bah non, même pas. Personne. Ah, coucou, toi. Voilà. Je croyais qu'avec l'opage, c'était censé faire le recrutement. Oups. Bon, c'est un petit oubli de ma part. Ça va, ça fait que 10 ans qu'elle attend à Petra. Ah, prochain tour, mon champion arrive. En tout cas, Pompée qui ne veut absolument pas m'attaquer. Hein, c'est pareil, hein, Lépide, ils m'ont déclaré la guerre, les deux. Ils sont en mode. Ouais, mais en fait. Ah. Ah. Là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que. Allez, moi, grosso modo, je suis un bloc comme ça. Je suis pas non plus très très fort. Enfin, j'ai pas non plus une grosse partie des unités. Là, je vais entrer en guerre contre ce bloc-là. Sachant que je suis en guerre contre ce bloc-là. Et ce bloc-là. C'est. Fou! Ça. Hein? Ça va être compliqué. Ah oui, mais lui, regardez, il est en guerre contre le Rhône de Lépide. Ça, c'est bien aussi.
Ça va. Ouf. Bon, ça me va. Alors, par contre, ouais, je vais foncer défendre mes alliés. Parce que. Je crois que sans moi, ça va être compliqué pour eux. Bon, Césarion, tu reprends du boulot, tu reprends de la. Ouais, tu reprends du travail. Ah. Très intéressant tout ça, en tout cas. Alors, répartition des armées. J'en ai deux, c'est largement suffisant. J'ai ma flotte qui couvre ici. Là, une, c'est bon. Peut-être pas forcément bon en fait. Hein. Je vais aller sur Rhodes. En principe, là, on me couvre le sud en théorie. On va défendre votre pays avant avant le reste. Hein. Les gars. J'irai bien là-bas. Oh, le mec qui va toujours chercher plus quoi. En vrai ouais, j'irai bien là-bas. Pour l'embêter comme il faut là, lui faire perdre sa capitale. Et qu'il dise ah bah mince alors j'ai pas fait le bon choix. Oh oui, ça peut être très drôle. Voilà. On met le pharaon à Jérusalem. Ce sera parfait. Ok, bon. Un petit peu d'éducation. Isidoria. Et Tiro. Ouais, bon, ici, je veux toujours pas m'attaquer. Je sais pas, il se touche la nouille. En vrai de vrai. J'ai combien de piquets? Non. J'aurais dit ça peut passer, mais non, pas 3. Dommage. Par contre, je pense que si je fais quelque chose comme ça, il devrait venir. Lui, il va prendre une unité, mais bon, c'est pas très très grave. Disons que je m'y attends, donc ça me va. Ça me dérange moins que si je m'y attendais pas. Voilà, puis on va embêter un petit peu l'Épidus. Allez, Pompée, tu peux le faire, Pompée. Allez, Pompée. Allez, Pompée, attaque-moi, tu peux le faire. On a foi en toi, Pompée. Ah, je sais pas pensé à un truc, c'est s'ils attaquent d'un coup quand même Athènes. Ouais, mais je crois que j'ai des balistes. Oui, c'est bien, Pompée. Alors, est-ce que j'ai perdu des unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? 8, 8 et 7, 15. Ah non, il y a une couille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est mon général, purée! 2, 3, 4, 5, 6. Eh ouais, c'est ça. Putain, c'est mon général. Il a réussi à prendre mon général, mais non. Je suis choqué. Bah merde, je m'y attendais pas. Ah, je m'attendrai à toutes les unités sauf lui. Hein. Voilà. Bon bah c'est pas grave. Hein. Allez. On place les barricades. Oui, là je peux faire totalement ça. Hop. Voilà, allez, free. Les chevaux de frise, oui, qui sont très bien ici et ici.
Ah, piquer la notorax, très lourde, ah, ça fait plaisir. Le général. Qui n'a de général que son nom. On va le mettre là. On sait quoi. On en a trop là. Il y en a trop encore. Hop, toi, hop, tac, tac, tac. La 4, c'est un. Je trouve ça à peine pas suffisant. Et 5, c'est un peu trop. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Regardez-moi ça, elle a ses belles piques. 4. Je vais faire la même de l'autre côté. Hop là. Oups. Allez, lui, il s'est retrouvé du mauvais côté, lui. Il a rejoint le côté obscur de la force, là, c'est. C'était ballot, ça. Voilà. Et. Je vais mettre les piquets normaux là. De toute façon, ils sont faits pour être bientôt changés. Hop, ici, on met tous nos archers. On met tout le monde comme ça, bien évidemment. Et là, j'ai une unité de piquets perdue en plein milieu là. C'est quoi, les gars? Allez vous reposer dans les tentes. Reposez-vous dans les tentes, les gars. Non, par contre, je suis vraiment pas en. Allez hop. Oh la vache. C'est parti. La question à 1000 francs, comme on dit, hein. Y a-t-il des balises? Des balistes. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire balises. Ah! Ah non. C'est quoi là-bas? Ah, des falaises. D'accord, bah, j'ai pris des falaises pour des unités. Alors. Alors, et Tarantine? Bingo. Allez, faites un petit feu, les gars. Oh, bravo, une salve à deux, quoi. Une salve à deux, quoi. Une salve. Merde, putain, une salve. Oh putain. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, celle-là. Ça m'était déjà arrivé, hein. Je m'avoue totalement coupable. Mais alors, j'étais gosse, quoi. Pas très très fort encore ces archers. Hein. Ça me manque d'entraînement tout ça. Il en aura fallu des salves. Hein. Les gars là, il est courageux mais il est stupide. Oh les deux les gars là, c'est magnifique. Il y en a un des deux qui va arrêter le feu. Hop, ça va finir tout seul. Pff, deux. Je vais prendre un Imhotep. Deux. La cavalerie Tarantine, j'ai pas envie qu'il tire sur les piquets ici. Alors, est-ce que je vois de loin? Ah, il y a de l'artillerie. Merde. Ça, en vrai, c'est pas drôle. Après, elle va mettre un peu de temps à arriver, normalement. Mais en vrai, j'aime pas du tout. C'est. Maintenez, c'est cool. Ouais, on va faire arrêter un des deux. Ouais, même les deux, hop. Ouais, le veste là. On est pépère. Ça va arriver au compte-goutte là, hein, non? Ah putain, deux artilleries, merde. Ah, c'est encore moins bon ça. Il va falloir que je fasse ça. Putain, ils sont trois. Ils sont trois morale en berne, c'est tout. Signe de faiblesse, hein, quand même. Hein. Ah,
Ok, on va changer de tactique. Hop. Je veux absolument faire le plus de dégâts possible avant les artilleries et je me barrerai après. Alors ça se passe comment ici? Ça se passe très bien. Oui, très très bien. Mais... Hop là. Joe la mitraille. Ouais, sur lui là, c'est le plus derrière. Il pleut les gars. Il pleut des cailloux sur des bouts de bois. Ou des morceaux de fer sur des bouts de bois. Ils font pas beaucoup de dégâts en vrai. Regardez, hein, ils ont vraiment pas beaucoup de morts. Hein. Et pourtant il tire dans le tas, hein, vous allez me dire, voilà. Aucune excuse. Hein. Ah la plèbe. Ah les pauvres. Encore une artillerie. Ah oh, faut arrêter. C'est là où je suis un peu triste en fait de pas avoir de cavalerie. C'est bête. Ah, j'aurais dû y penser. Voilà. Enfin bref, bon, regardez la première cohorte, là. Ils sont dessinés. Ah, ça visait quoi? Ils sont déjà à portée, merde. J'arrive pas à voir ce qu'ils visent. Ah bah j'ai l'impression qu'ils se visent eux-mêmes. Ah non, ils tirent... ils tirent ce mur là, j'ai l'impression. Ouais, ils tirent ce mur. Bon après, il se défonce ses propres unités. Hein. Aïe. Et j'ai ces deux murs là, là qui prennent des dégâts. Je vais préparer mes unités là, derrière au cas où quand même. Parce que ça va faire mal, ça va faire très mal. Ouais. Ah, y a un trou ici. Oh, les dégâts là. Aïe aïe. Allez, on vide les munitions les gars, plus vite que ça. Il y a encore beaucoup d'unités ennemies à venir en vrai. Bon, heureusement ils se tirent sur eux-mêmes. Oups, oula non, toi tu te barres très loin derrière. Une deuxième ligne là. Ouf. Ils prennent cher à cause de l'artillerie. Hein. Bon là ça va, on est en fenêtre supériorité numérique au moins. Je suis dans mon avantage, hein, à force de tirer. Ah non, je suis plutôt à mon avantage que ça. Il a encore des unités à distance. Merde. Il faut absolument que je fasse feu sur les unités. Oh putain, les vitesses là, ils vont se donner d'accord, je vois. Vite. Allez. Ouais. J'ai certaines unités qui prennent cher. On va les. J'ai avancé mes unités, je vais faire une rotation parce qu'ils ont déjà pris assez cher là. Certaines unités qui ont pris très cher. Voilà. Il
Et je vais tous les faire reculer, hein, ceux-là. Hop, vite. Ils ont pris assez de dégâts comme ça. J'ai de quoi faire de la rotation, donc... ouf, putain, lui... les barricades, par contre, ils ont tenu. Ah, oh là là, excellent. Ok, tous mes archers, ils ont plus de munitions. Même chose. Qu'est-ce qu'ils foutent, lui? Vous êtes perdus, les gars, ou ça se passe comment? Non, mais... Oh putain, il me tue. Lui c'est pareil, hein, tu sais, on est bien au corps à corps avec l'ennemi, mais il arrive à me sniper. Hein, c'est... Hop, là on va réduire la largeur. Merde, j'ai pas mis le mode garde. Hein? C'est moi, ça me vise... ici, bon, attendez. Il rate ses tirs pour l'instant, mais... ouais. Allez, on va les attirer eux. Parce qu'apparemment avec les frondeurs ils veulent absolument tirer sur mes unités et bon on va les faire tirer sur les unités. Merde. Voilà, en plus ils vident leurs munitions, c'est pas mal. Et ces unités là je vais leur faire faire le tour, tout simplement. Hop, les déborder là. Putain, la barricade qui est debout. C'est génial. Ah, tire sur ce mur. Ouais, on dirait. Ah non. Ça rate, ça tire. Je sais pas où ça tire, mais ça touche pas beaucoup. Hein. Ah, si, là il a touché. Voilà, on va envoyer la dernière ligne là de piqué. On va faire encore un petit changement. Non mais... Putain, j'hallucine. Ils le veulent, hein, cette unité. Hein. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais... Ils se prennent tous les tirs des frondeurs. Hein. C'est... Frondeurs, ils sont en mode, on veut eux. C'est pas les autres, c'est eux. Ça va les snipers là, tranquille. Non, c'est... Et quand même, même un gars avec un sniper là de là, pff, il est pas sûr. Hein. Alors, on fait reculer tout ce beau monde. Voilà, oula. Là je me prends des tirs encore là. Wouhou. Bon bah voilà. Eux ils ont pas de munitions, ils arriveront jamais au corps à corps. Ils ont trop les boules. Ils ont trop les chocottes pour. Voilà, lui, bon, à mon avis, tant qu'on l'embête pas, il viendra. Tant qu'il l'embête pas, il arrivera pas à partir. Ah bah si,
Il a eu peur aussi. Bon, bah, c'est une victoire. Hein. Petite victoire bien sympa. Hein. 1800 contre 5093. J'ai quand même eu pas mal de pertes. Hein. Bah, elle a retiré. Regardez, sa première armée, elle m'a fait 6 morts. Putain. Ouais, vraiment. Vraiment, ce qui m'a fait mal, c'est l'artillerie, quoi. J'aimerais bien voir comment ils m'ont fait. Ouais, capturer. 156. 78. 47. Quelques dégâts là, des unités à distance, non, peut-être les frondeurs un peu. Hein. Ouais, voilà, cette unité. Les tirailleurs Zagoro qui m'ont fait mal. Allez, on réduit 3000. Waouh! Les esclaves, ils valent cher, hein, dis donc, c'est fou. En tout cas, j'attendais un peu mieux de toi. Hein, comment t'appelles Pompée, hein, j'en attendais mieux de ta part. Déjà, t'es une grosse fiotte qui. Qui ose pas attaquer alors qu'il est en double supériorité numérique. Voilà ce que j'en pense. En plus, il m'attaque avec de l'artillerie, c'est honteux. Hein. Tu devrais avoir honte. L'appel du devoir, ouais, l'appel du devoir. Hein? C'est ce que j'en pense. Hein. Allez, Calerie Ptolémaïque. On chasse. Toute cette piraterie. Pirate. Voilà, et puis on retourne à Athènes, tranquille. Non, on retourne pas à Athènes. On retourne pas à Athènes, fait chier. Fait que j'ai changé de général, ouais, ça doit être ça. Lui, il a pris un coup de flip. Il a pris ses coups de flip, le mascotte. Vérifier, oui, c'est bien de mes unités à moi. Et coucou, vous revenez là? Cool, moi aussi. Et salut, Safart. Hop, voilà, on contourne. Et en faisant un petit amphithéâtre. Pour 6400 par tour. L'Egypte 6400 par tour, l'Ethiopie 4900. Oh, c'est génial, j'adore. Oui, j'étais en guerre ici aussi. Voilà. Là-bas également. Eh ben, fais un petit acte de pyromanie. Parfait. Voilà, toi, tu peux aller là. Ce serait très bien aussi. Et... Bah écoute. Allez vous avancer. Parce qu'apparemment, à les petits Smagna, il n'y a personne. Il déclare la guerre, mais il vide ses frontières, c'est sympa. Hein. Quelle gentillesse. Hop, un peu d'éducation, Kira. Très important. Oh. La plus de morale, c'est très bien ça. Un petit mariage, oui. Hop, pareil, tout on peut. Non, tout on peut. 14 ans. Toujours pas de mariage à 14 ans. Hop. Non, bon, pas grand chose. Hein. Alors, je sais pas si je reste. En fait, je sais pas vraiment s'il me reste de l'argent non plus. Hein. Tu es en train de me dire. Mais ça se trouve, t'es pauvre, ça y est, t'es à poil, t'es fini. Quoi. Ouais, bah non, ça va, c'est ce qu'il faut. Bon, bah on va terminer ce tour. Hein. Puis. Oh. Oh, bah oui, je l'avais oublié cette flotte dit.
Ah, il est déterminé, hein, le gars. Hein. Les pertes, là. Bon, bah, je mène la bataille. Hein. Ah, il est déterminé, là. Il est tout seul. Mais il est en mode, allez, les gars, on y croit. Après, c'est que des vaisseaux de transport. Donc, je sais pas ce qu'il croit faire. Allez. Allez, à la cadence, les gars. D'où viennent les renforts, que ce soit de l'arrière ou de l'avant. De l'arrière, très bien. Allez, mode. Petit mode bélier. C'est marrant, il me rappelle l'accent de quelqu'un, lui. Allez. Vioum, 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 vioum. Salut. Salut, ça farte. Allez les gars, on se grouille. On se magne, je veux pas savoir. Oh, excusez-moi, il y a un bouchon là. Là 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 là. Là 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 là. Ah, d'accord, ils ont que de l'eau, ouais. Allez, retournez-vous. Voilà, déjà que c'est un petit peu moins sale là. Il a rien compris. Quel qu'il est con, putain. Il est totalement à l'envers, quoi. En tout cas, ça fait le café, hein. Putain, on dirait. Avouez, on dirait un mec qui essaie de faire un créneau mais qui arrive pas. C'est le gars qui est en mode j'arrive pas à faire de créneau, je panique. Oh, c'est tellement ça. Ah, j'imagine le mec, putain. Oh là là là. Ah, puis il se refout bien à l'envers. Oh, purée, c'est pas vrai. C'est pas fini, non, c'est pas fini. Ouais, préparé. Non, mais il est vraiment bugué là pour le coup, hein. Même. Oh putain. C'est que tu rames à l'envers là, les gars. Allez, tu me fais pitié. Oh, quelle nudité, mais affreuse. Putain. Ah bah. Ça va, oui, tirer sur tes alliés comme ça, t'as pas honte, toi? Ah, je t'ai vu, hein. Bon, je veux bien que ce soit une brêle, mais quand même, y a pas, faut pas déconner, hein. Il a fait un petit décalage, il a été aidé, hein. Il y a eu un sacré coup de vent. Allez, finissons-en rapidement. Sinon les gars, c'est quand vous voulez, hein. C'est Non, vous en foutez? Bon. Je vais vous aider, hein, je vais faire ça. Hein. Pas l'air très très motivé, hein. Ah, ça y est. Oh, tout le monde, vous irez tous droit, lui. Vous irez tous droit à y passer. Hein. Allez, je veux une cadence soutenue. Joum, joum, joum. Ah. 5 pertes. Ah oui, bah oui. J'en connais un qui a pas tiré où il fallait. Et aucun survivant de l'autre côté. Voilà. Coucou. Vous prenez l'eau, faites gaffe.
Bon, en tout cas, c'est bien, tu m'as bien attaqué ici. Maintenant, tu peux faire pareil sur ma forteresse? Ouais, non, pardon, ouais, j'ai oublié. Ah! Ah, zut! Ouais, bah non, mon général actuel, il aime pas trop les vacances, tu vois, donc il s'est pas laissé faire. Donc, je suppose que tu vas en envoyer un autre, c'est ça? Ah, bah non, même pas, c'est. Et ben voilà. Bon, vous savez quoi? Ben, on va s'arrêter là, hein, quand même, pour aujourd'hui. On a fait 45 minutes. Ouh là là, faut vraiment que je diminue le temps des épisodes. Hein. Ben, je pense que c'est un peu trop long pour vous, ces épisodes d'une telle longueur. N'hésitez pas à me faire un retour dessus. Ouais, entre 20 et 30 minutes, ça vous conviendrait peut-être plus. Voilà, dites-moi. N'hésitez pas à. Dire. Dans les commentaires. Hein? Mais j'ai personne ici, pourquoi j'ai un général qui est mort là? Mais qu'est-ce que. Purée, c'est lui! Oui! Je viens d'avoir un éclair de génie. Oh le con! Ah, j'ai perdu mon mari, tiens. Oh, putain. Mais par contre, il a pas chômé, hein. Oh. Bon, bah, j'ai perdu mon mari, c'est triste. Allez, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Pareil, hein, je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a... Oula, j'espère que ça vous aura plu. C'était Tchob. Ciao!